C'est pas une promenade du dimanche. Et par endroit, on n'est ni assuré ni rassuré. Là, le deuxième passage câblé. On va pas refuser les câbles, hein. Bon, un peu de ferraille, profitons-en. Ah super. Ah ouais, c'est quand même assez craignos par là, on va dire. Attendez. Ouh. Eh bien. Puis là, il n'y a plus de câble. Il est là-haut. Bon, c'est un bel itinéraire alpin, on va dire. Je vais me raccrocher quand même. Hop là. Voilà. Oh purée. C'est du raid. Ah, belle concrétion sur là-haut. Allez, on continue. C'est physique, hein. Hop. On se croirait au buée. C'est à peu près du même ordre de difficulté. Hop. Et ben. Ah, ça va jusque là-bas. Super. Allez, belle traversée là, en perspective. Mais bon, c'est tout câblé. Hop. Bon, on fait deux bâtons du même côté. À cet endroit-là, les bâtons sont un peu chiants. Ça m'a bien aidé pour grimper dans l'alpage. Allez. Mais là, sans bâton, ça irait mieux. Super ces câbles. C'est reparti. Bon, c'est vrai qu'à certains endroits, avec du matos de via, ce serait pas plus mal, mais bon. J'ai choisi de grimper comme ça.
belle grimpette. Bon. Ah, c'est quand même assez aérien. Il y a du gaz. Faut pas avoir peur. Hein. Même si cette année, je suis moyen, on va dire. J'ai perdu l'habitude. Oh, après ça, ça ira mieux. J'aurais repris un certain entraînement là. Joli passage, hein, purée. Ça continue. Ah, pas mal là encore. Eh ben, go, il y a de la trouille. Faut pas l'avoir la trouille. Oh purée. Allez, on y retourne. Hop. Hop. Vive le tire-câble. L'hiver, il y a les tire-fesses. L'été, il y a les tire-câbles. Bon, ils sont pas automatiques. Ouf, vite. Allez. Suivant. Bien. Bien, bien, bien. Jolie petite cheminée. Hop là. Ah ben, ça grimpouille, hein. Ouf. Voilà. Sympathique ce passage. Ah, bien. Hop. Ah, il y en a encore. Alors là, ça sert pas à grand chose. Par contre, il y a d'autres endroits, ils auraient dû en mettre. Ah mais ça continue. C'était pour pas interrompre, je suppose. Bon, ça doit sûrement passer dans l'herbe. Mais bon, hein, on va profiter du câble pour faire un peu du rocher. Ça fait pas de mal. Hop là. Faut tirer, hein. Encore, hein. Ouh, pas mal.
Pas mal, pas mal. Ah, bien. Super ça. Hein. Ouf, ça fait du bien. Bon, allez. Hop. Youpi. Et voilà, purée. Oui, ils sont mis. Ah. Ouh, on est bien là. Sur la terre des vaches. Ah. Belle vue, hein. Sur le coin de leur pète là-bas. Là, on est garé tout en bas. Bon, allez. On va continuer par là, je sais pas où. Si, il y a encore des câbles là-bas. Allez, ça roule. Bon, ben là c'est la portion des chèvres. Il y en a du monde par là, non? Alors, elles sont gentilles, elles te lèchent les mollets, elles te bouffent les bâtons, etc. etc. Allez, c'est soutenu ici, c'est raide encore. Puis ready. Sans câble, jamais. Hein. Hop là. Bien. Ça suit derrière là. Ouh, il y a du monde en bas. Au petit col là. Putain. Est-ce qu'elles vont continuer à monter celles-là? À savoir. Allez.
Ah, il tenait pas bien celui-là. Hop, youpi. Youpi. Bon, petit répit sans câble. Le grand alpage en bas du boucher, mon charvin. Avec tous les petits hameaux du boucher et de Serval. La tournette est dans le caca. Les biquettes n'ont pas suivi. Il faut se méfier. Faut surtout pas qu'elles soient devant parce qu'elles envoient beaucoup de cailloux. Du coup, le casque peut être très utile. Là, il y a encore un joli passage câblé. Alors je conseille l'utilisation de gants. Ça peut éviter de se faire des ampoules. Et par contre, ben, faut réfléchir avant de s'engager. Hein. Parce qu'après, une fois qu'on est dedans, il vaut mieux sortir par le haut que redescendre. Ah, mes copines m'ont suivi. On va peut-être faire le charvin, non? Il y a deux grands rapaces qui passent au-dessus du col. Ah, un troisième, je sais pas ce que c'est. Sont jolis. Ah ben allez, on y retourne.
ça belle là derrière. C'est raide, purée. Ouh. Ça dénivelle très vite dans le coin. Hop. Ah, une ampoule. J'aurais dû prendre des gants de ski de fond, hein. Et ça suit derrière. Ça m'apprendra à t'en manger. Ouf. Ah là là là. C'est crevant. J'espère qu'après il y a encore des caps parce que ça a l'air raide. Oh, je viens briller. Non. Hop. Ah. Oh purée. Qui c'est qui a dit que c'était pas de la bière ferratas? Oh putain. Ah. Ah là. Hop là. C'est vrai que si on veut se reposer, un petit assurage, ça serait pas mal. Bon, heureusement qu'il prévoyait beau temps. Sinon, qu'est-ce que ce serait? Mais bon, c'est vrai qu'on est en montagne. Et que la brume monte. Youpi. Hey,
2 minutes d'arrêt là. Tiens, il y en a une qui m'aime là. Sommet du Mont Charvin. Alors on n'arrive pas, l'arrêt ici. Le sommet des câbles est un peu plus bas, mais la montée après devient facile. Alors c'est super aujourd'hui le paysage. Et après on va redescendre par l'arête qui est là. En bas c'est le lac. Et du côté du boucher, c'est la descente normale, on va dire. Aujourd'hui, en parlant de boucher, c'est bien bouché. Je sais pas si je vais descendre au lac aujourd'hui. Tout près du lac du Mont Charvin. Avec les moutons qui paissent et qui bêlent. C'est joli aujourd'hui comme ça. Alors là, ben, c'est la descente du Mont Charvin. Et il faut bien suivre la crête. Sinon, on peut rater le départ de la Via Ferrata qui nous ramène au col d'Arpette après par le pas de l'ours. On voit le chemin du pas de l'ours en bas. Allez hop, c'est reparti vers le pas de l'ours. C'est de la descente, c'est moins physique. Mais ça frotte les doigts. Les câbles.
Et ici, bah, c'est une petite vire sympathique. Tiens, du monde en bas. Je ne serai pas tout seul. Ah, puis là-haut aussi, il y a du monde. Ah, c'est reparti pour une petite descente. Heureusement qu'il y a le câble. Hop. Et voilà. Eh ben, on est un peu gêné par les bâtons par là. Et à d'autres endroits, ça sert bien. Alors, je sais pas s'il faut les conseiller ou pas. Eh ben, là-bas, on voit le pas de l'ours. C'est sympa comme endroit. Cool. Allez, petit lâcher de bâton encore. Hop là. Bon, sympa cette petite vire là. Bon, c'est sûr, c'est moins dur qu'à la montée. Alors, faut quand même dire que depuis le sommet du Charvin, il n'y a quasiment que des câbles. Sauf 2-3 passages faciles. Ça va remonter. Et voilà. Cool. Le câble est devenu mon ami. J'ai plus envie de le quitter. Pourtant, c'est pas dur là. Allez, je vais mettre les bâtons à gauche. Et puis voilà. Ça fera pareil. Super. Oh, extra.
Les remontées, c'est physique quand même. Mais bon. Après le passage de la trouille, c'est la rigolade. Ici. C'est de la promenade. Ah, super. Oh. Oh. Ça fait du bien ce genre de sortie. Ah. Ça réveille les articulations. Ça redonne confiance. Petite grimpette. Ça va redescendre. Hop. Bon, c'est pas dur par là. Par rapport à tout le reste, ça passe facile. Bon ben là, il n'y a plus qu'à descendre. Allez, on va laisser les bâtons là-haut. Voilà. Comme ça, ils ne se planteront pas dessous. Hop. C'est humide dans le coin. Heureusement que c'est câblé. Même le câble est humide. Allez. Même ça coule. Dire que cette année, ça manque pas d'humidité. Allez, hop là. Voilà. Fini la Via Ferrata. Ouf. Voilà. On va monter tranquillement au pas de l'ours. Puis voilà. Après, il n'y aura plus qu'à descendre. Et atterrir jusqu'au chalet là-bas. Bon, ça va, ça n'a pas l'air... Ça a l'air sympa. Avec la route qui risque d'être longue au retour. Légère remontée dans les boulis. Pas difficile.
ça redescend, ça veut dire qu'il faudra remonter un petit peu. Hop, on peut descendre direct. Mais bon, je vais aller quand même faire un tour au pas de l'ours. Qu'à faire, hein. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Ouf. Red de chez Red. Ouais. Ah bah voilà. Ouh, il y a ma voiture en bas. Super. Elle s'est pas perdue.